Jordan. Ouais. On avait quoi comme cours aujourd'hui? Je peux attends, mais qu'est-ce que tu branles, toi? J'ai eu un mot d'absence. Je devais aller chez le médecin. J'avais pas le choix. Et bon, vas-y. Tu t'es fait opérer des dents de sagesse. Il s'est passé quoi là? Non, j'ai des problèmes de cœur. Je l'ai jamais dit à personne, mais du non, coup, j'avais mon... ça se voit. Il y a pas besoin d'en dire plus. Et vas-y, on a fait un cours de mode. Ouais. On a fait un défilé de mode. Il fallait s'habiller en quelqu'un et l'imiter. Il y a Tucker, il t'a imité, ce bâtard. Qui m'a imité? Tucker. Il est revenu là. Ouais, le. Ah, il est revenu. Ouais, je sais pas quoi là. Et ouais. Après, on a fait un cours de musique, il fallait chanter. Merde, j'ai raté le cours de musique, le cours voilà. De mode. Et là, on va aller au Japon là. À la cantine. Mmh. Ah, ça, je sais, je suis arrivé pile pour le Japon. Et ben voilà, tu sais tout. Ok, merci beaucoup. Allez, Ganesh, rejoignez vos élèves. Allez, manger. Allez, tout le monde à la cantine. Vous êtes CPE, c'est vrai. Je suis sur mon plan final. Mais non, jure, en revenant. Tu voulais me parler de quoi? Ouais, regarde, je t'explique après, Nova. Vas-y, viens, Brandon. Vas-y, allez, les enfants, s'il vous plaît, à la cantine, tout le monde. Il t'a dit quoi, l'autre? De cœur? Il veut prendre, je sais pas, je crois qu'il veut faire un bail sur un prof avec un rouge. Mais le gars, il est jamais là et genre, il fait des bails avec les rouges. C'est inexplicable. Je comprends rien, man. Je comprends rien plus. Ben ouais. Vous voulez faire quoi? Il t'a pas dit? Bah, je sais pas, je pense. Le séquestrer, sa mère. Les gars, par contre, si vous êtes sage à la fin, ça vous dérange pas, je suis à côté Baby Girl, hein, Bobby? T'as pas le droit. Non, je me mets. Baby Girl. Ça vous dérange pas, je me mets à côté de Bobby. Non, pas de showcase. Mais non, Bobby, t'as mal vu. Mais vous venez de doubler tout le monde. Mais non, mais ça fait 2 heures qu'on est là. Vous avez cru, vous avez cru, c'était les profs de l'école là. On s'en fout, tu vas avoir un machin. Baby girl m'a laissé passer. Bobby, arrête de faire tout ton cinéma. Arrête de faire ton nerveux, Bobby. C'est pas Bobby, viens, je te fais passer, moi, Bobby. Vas-y, je passe devant Kevin. Vas-y, carré, merci Kevin. Et toi, il t'a pas dit oui, t'as pas dit oui. Je sais pas comment ça s'appelle. Et Kevin, vas-y, monte-le en l'air, Kevin, c'est bon. Alors, tu veux manger quoi? Baby girl. Pas plus fort. Merci Kevin, toi t'es un bon toi. Que vous voulez? Eh Ganesh, c'est toi qui choisis. Comme prévu. Burger. Ah, avec on a Dr. Dre. Avec papa, j'ai réussi à détecter le. Monsieur Dr. Dre, comment allez-vous? Il demande à Baggy D.R.A. Snoop Dogg. Ouais, ça va, Jay-Z ou quoi? C'est pas Jay-Z, ça. C'est pas Jay-Z, c'est qui? C'est Dr. Dre. À la fin, il vous fait un showcase. Ah ouais, c'est Dr. Dre, vas-y, excuse-moi, Dr. Dre. Attends, mais c'est Dr. Dre qui nous sert, là? Oui, bah oui, docteur Dre, en fait, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ferme-la, sinon il va pas faire showcase. Vas-y, Bobby. Émilie, la grande Bobby, chante une chanson de Dr. Dre, ça va et toi? Chante une chanson de Dr. Dre. Vas-y, je m'en bats les couilles, donne-le ce que t'as. Nanananana, 50 shop. Moi, je veux juste grime. Oh, putain. Oh, putain. On s'en va, Aziz ou quoi? Je suis en train de faire mon deuil. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas. J'ai demandé à Bobby de chanter du Dr. Dre, il m'a chanté Candy Shop et il a dit 50 Shop. Putain de merde. Je suis tout fier. Je comprends ton petit cœur d'artichaut. Et il m'a donné des croquettes pour chasse, bâtard. Et toi, il t'a donné quoi? Il m'a donné un plat halal. Non, mais moi, c'est ça, ressemble à des croquettes de chasse. Oh l'enculé. Excusez-moi, monsieur. Dis-moi. C'est normal, le man à la cantine là, qui ressemble à Dr. Dre du Bled, il donne des croquettes pour chasse, bâtard. Tu les as goûtées? Non, mais comment ça, je les ai goûtées? Tu crois que je vais goûter des croquettes ou quoi? Ah, qu'est-ce qui te fait dire que c'est des croquettes? Parce que sur l'emballage, j'ai écrit pour les petits chats qui aiment les grosses chattes. Bah, goûte. Comment ça, goûte? Bah, vas-y, tu sais quoi, je te le donne, toi, tu goûtes pour moi, tu me dis. Non, moi, j'ai déjà mangé avec les profs. En fait. Vas-y, je préfère manger des feuilles que vos croquettes de salope. Quoi, tu veux parler qui comme ça, par contre? Je parle à tes croquettes, tu vas faire quoi? T'es défenseur de croquettes, toi? Je crois que t'oublies que t'es un petit gamin de 15 piges, là, encore puceau, donc tu vas Alors déjà, j'ai pas 15 piges, j'ai 16 piges, déjà, monsieur, d'accord? Et toi, t'as quel âge? 16 ans, 15 ans, c'est pareil. Toi, t'as quel... Mais c'est pas pareil, t'as quel âge, toi? J'en ai 10 de plus que toi, ok, puceau? T'as 40 ans? Putain, 10 tu de plus. 40 plus ans, 10, bâtard! C'est un truc de fou! Eh, bah, tu sais quoi? 25-40, c'est pareil, non? Voilà, maintenant, tu respectes les autres, ils te respecteront, ok, Tighty Bob? C'est comme ça qu'on la joue maintenant. Non, je te demande, parce que moi je te dis, on m'a donné des croquettes pour chat, et toi tu fais le man de boucler. Bah, tes croquettes pour chat, tu vas te les foutre où je pense, tu vas les manger ou bah, t'inquiète, je vais les foutre où je pense, t'inquiète. J'en ai rien à foutre. Et bah, vas-y, je vais les foutre où je pense, c'est dans ton cul que je pense, vas-y. Ah ouais? C'est quoi, tu pars? C'est ça?
Un petit gamin, t'es une salope. Ah ouais, t'as mangé, c'est important de manger avant. Ouais, mais vas-y, viens voir, viens voir. Eh, ce bâtard, il a donné des croquettes pour chat à tout le monde, je crois. Comment ça? Mais regarde, il t'a donné quoi, toi, à manger? Silicone carné, il m'a offert une rose aussi. Quoi? Moi, il m'a donné des croquettes pour chat, ce bâtard. Vraiment? Ouais. Et vas-y, je me suis embrouillé avec Tahiti Bob. Je l'ai insulté sa mère, il avait plus d'arguments et il a chouiné. Ah ouais? Ouais. Je suis dans la merde ou quoi? Mais non, Tahiti Bob, le surveillant, là. Je sais pas, je pense pas, en vrai, il va juste chialer, c'est tout. Ok, bah non, mais parce qu'il pleurait fort, sa mère, hein. Il me suivait en pleurant. Ah ouais? Ouais, il pleurait en marchant. Va demander à Patoche, Patoche, il donnera la réponse. Eh, Patoche! Ouais, dis-moi, qui fait ça? Ça va ou quoi? Ouais, tu vas bien? Ouais, t'as toujours la haine contre moi ou tu m'aimes bien, en vrai? Ah, vas-y, demande-moi ton truc. Non, non, mais dis-moi, réponds-moi au lieu de regarder ton téléphone. Je m'en fous, putain, quoi, arrête tes conneries, quoi. Mais c'est vrai. Eh, Patoche, souris à la vie un peu, là. Pour Johnny, pour les bécanes, tu vois, ou pas? Ouais, ben, je vais sourire une fois que je me serai rempli de bide, quoi. On a du réseau, bah, vas-y, bam. Bah, vas-y, tu veux que je te donne ce que j'ai eu à manger ou quoi? Ouais, vas-y, donne-moi. Vas-y, écarte-toi un petit peu, s'il te plaît. Comment ça, tu veux que s'écarte? Bah, non, mais pour pas lui donner rien. Ah, ok, ok. Elle saute sur tout ce qui bouge. Tu m'étonnes. Tiens, vas-y, mon gars. Nova, putain, incroyable, merci. Ouais. C'est ce qu'il donne à manger, hein. Incroyable, putain, ça a l'air bon, ça. Franchement, ouais, je vais même bouffer ça. Vas-y, ouais, vas-y. Dévore-moi ça. Ouais, t'inquiète. Tiens, si t'as faim. Oh putain, merci, toi, t'es une vraie. Putain, j'ai cru que j'allais bouffer cette merde là. On fait moitié-moitié. Oh, vas-y, mais par contre, moi, le problème, c'est que quand je mets la cuillère dedans, j'ai du mal à m'arrêter, tu vois. Oh, hein? Tout le monde au dortoir, récupérez vos bagages. Oh, trop court. Vas-y, vas-y, viens, on y va. Eh, ça va ou quoi? Comment tu t'appelles déjà? Moi, c'est Romuald, et toi? Ça va, Romuald, c'est Jordan. Fais pas genre tu sais pas. Eh, Jordan. Ouais, dis-moi. Comme Michael. J'ai pas compris, mon ref. Ah. Mais vas-y, dis-moi. Bah non, rien. T'as mis quoi dans ta valise? Franchement, tu veux vraiment savoir? J'ai mis la PlayStation 2. Absolument. Ouais, les gangsters. Eh, les gars. Eh, tu veux quoi, les gars, toi? Les bagages, faut les traîner, hein. Faut pas les soulever comme as. Hein. Mais on les soulève parce qu'on a de la force, mon ref. Bah ouais, ah, okay, frère, on a pas de temps. Ah ouais, hein. La seule force qu'il a, c'est sucer des teubs. Il est fou ou quoi, le Serial Sucker? Quand tu suces des bites. Bah ouais, on l'appelle le Serial Sucker, ce bâtard. Ça va, Romuald? Eh, Romuald, t'es chaud pour le Japon, quoi? Ouais, je suis trop chaud, c'est mon rêve d'aller au Japon. Attends, et là on y va, je suis. T'as jamais été au Japon, Romuald? J'ai jamais allé au Japon, mec. Bah vas-y, t'attends quoi? C'est le pays de ma mère. J'ai besoin de toi. Oui, dis-moi tout. Viens, je t'explique là-bas, j'ai des problèmes pour ma valise. Eh bien, viens. Ah madame, vos cheveux sous la pluie sont magnifiques. Ah super, c'est gentil, merci beaucoup. Et vous, Kevin, vous avez laissé votre bien-aimé ici? Mais madame, vous avez les tétons qui pointent? Non, Quoi? Pardon? Kevin nous a dit qu'il était très très mal poli de pointer. Ouais. Il ne faut pas pointer du doigt. C'est très mal poli. Oui, on a horreur des pointeurs dans cette école. Non, faut pas pointer du doigt. J'ai cru, et pendant un moment, j'ai cru que vous me pointez là. Non, ce n'est pas le cas promis, je ne le ferai pas. Ah, ok, pas de soucis, pas de soucis. On va pointer? Non, c'est très mal poli de pointer du doigt. Calmez-vous, les pointeurs. C'est très mal poli. Yes. Allez, mettez-vous devant les bus, s'il vous plaît. Vas-y, venez dans le bus, go. Oh, ce bus, il a l'air... Non, bien. Devant les bus. Aziz, ce bus, il est maudit derrière. Ouais, je le sens bien aussi. Je le sens mal, je veux dire. Ok. Vas-y, il y a Yellow qui arrive. On peut monter? Allez, vas-y, monte. Attendez, avant de monter, on va vous donner vos billets. Voilà. Il est monté, hein. Il est monté, lui. Hein. Ah, d'accord, on attend. J'ai entendu. Non, mais attendez, hey, il faut une place pour. Comment elle s'appelle déjà là? Baby girl. Bah ouais. Ouais. Bah moi, je lui laisse, c'est pas grave. Attends. Non, tranquille, tranquille. Il reste de la place, hein. Il reste de la place encore. Il y a de la place, il est grand le bus. Ah oui, ouais. Va le chercher. Eh, hey, clitoris. Oui, c'est vrai qu'il doit rester devant les bus. Non, mais reviens, clitoris. Vas-y, tranquille. Mais c'est pas grave, on se répartit, t'inquiète. Mais non, eh, franchement, je préfère toi que d'autres. Bah vas-y. Il s'appelle pas clitoris, il s'appelle clitus. Mais c'est un synonyme. Je m'appelle clitus. Mais non, écoutez, ça va être très vite. Vous allez tous vous mettre en rang ici, là, devant moi. Tout le monde en rang. Par classe. Par classe. On devrait voir 4 colonnes. Toujours à côté des dés. Venez derrière moi, les mecs. Allez-y, on accélère plus vite. On était derrière les lumières à la base. Ah, mais on est derrière. Et que la lumière fume. Les retardataires n'iront pas au Japon, je précise.
Écoutez, je vais vous annoncer dans un premier temps les deux groupes. D'accord ? Il manque des gens ici, là. La classe numéro 4, il vous manque des gens. Amine, il est à chasse. Monsieur, il est aux toilettes, il fait caca. Il a trop de plomb. Il nous a dit partez sans nous. John, t'as pété les plombs sur ton... John, t'as trop de plomb, donne ta tenue. Si, il a dit partez sans moi. Mais les gars, je suis en mode... Mais ouais, il a trop de flou. Je suis en mode kawaii. Ah ouais, t'as mal. Bah là, il va se fondre dans le décor. Kawaii né de fou, là. T'es en mode gros kawaii. Classe numéro rouge, devant moi, je vais vous distribuer vos billets. Venez, en face. Vas-y, faut y aller maintenant. Mais j'ai pas encore écrit toi, putain. C'est pas grave, ah, vas-y avec l'inspiration. Tu vas y arriver, t'en fais pas. J'espère que vous avez révisé votre culture. Allez, vas-y, c'est maintenant. Tu m'as tout à l'heure, t'as crié quoi? Il faut y aller maintenant. Tu vas déclarer ta place. Ton prénom et ton nom. Allez, vas-y. Allez, Romuald. Allez, vas-y. Romuald. Prochain. Peux faire un discours devant tous les élèves avec vous? Je crois que nous sommes assez pressés. Il y a l'organisation qui s'est fait pour le Japon. Attends, le Japon, parce que ça sera plus beau. Vous inquiétez pas, madame, on a le temps, franchement. Classe bleue, devant moi, pour les billets. Vas-y, ne perds pas de temps, vas-y. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. Vas-y, on va directement. Je vais vous demander votre nom et prénom. Nora McBurger. Vas-y, allez. Ciao. Ciao. Tu vas rien niquer du tout, toi. À parcourir comme une petite chienne. Moi, c'est Tucker. Mais j'ai rien où tu veux que je me mette avec ta sœur, là. Ouais, je me mettrai avec ma sœur Elsa. On va te faire. T'as tapé qui en prochain? Un mec bien pour ma sœur. Il a tapé personne. Ah ouais, c'est vrai que je suis un mec bien. Jordan Birkins. Le zouave devant, là. On monte déjà dans le bus. Prochain. Vas-y, carré. Hé, Steven Seagal, tu sais comment il se bat? Il fait que de courir et mettre des coups au hasard, ce bâtard. T'inquiète, on va le régler au Japon. Si, c'est carré. Je vais monter avec les professeurs, je vous laisse. Quand tes beaux yeux sont ouverts. Bah ouais, carré. Bah ouais, j'en vais jamais capter. Merci. Et alors, toi tes yeux, ils sont sombres. C'est vrai, ils sont sombres d'ouf, man. T'es mon petit mal désert. C'est bon le mois de désert. Bah ouais, c'est bon, c'est carré. Je ferai ce que j'ai à faire au Japon, je te le montre dans les bus. D'accord. Et tu parles trop de ma gueule, mais il y a pire que moi. Franchement, je vais aller sur une cascade, je vais réfléchir. Mais vas-y, mais moi je m'en fous de ta gueule. Oui, non, mais lui il est fini. T'es mon cœur. Ah, pardon, tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Je t'ai dit pourquoi une cascade? Ah, moi c'est. Il a une tête de jambe de Clio 2, ce bâtard. Maman, de quoi? Le pauvre. Il a une tête de cric à vélo. Ah, on va devoir prendre l'avion. Ah, mais parce qu'il est tellement méchant. Mais j'aime quand t'es méchant comme as. Ça me plaît. De cœur. C'est avec quel rouge que tu parlais? Quoi? Tu veux que je vienne moi, ma meuf? Vas-y. Vous aussi que vous avez des problèmes avec les gens. Tucker, Tucker, Tucker. Mais non, tout le monde. Tucker. Dis quoi toi? Mais non, y'a rien. Tucker, écoute Aziz. Ferme-la. Ferme-la. Oh, comment ça? Ferme-la. Toi-même, Kefta. Ferme-la. Attends, Aziz, faut m'expliquer. Ça veut dire tu dois me donner. Non, mais t'es au courant de ce qu'il va faire? C'est un loup-garou, ce gars, c'est un loup-garou. Il a parlé, il est partout. En même temps, lui, il va nous trahir un jour. Il a pas tant de. Non, je vais pas vous trahir. Non, il trahit, nous manger, man. Il va nous manger, En tout cru. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas mal tédé, c'est faux. Vas-y, venez, on prend le bus de derrière là. Bah, va chez les sceticiens. Ah, je sais pas, c'est n'importe quoi, en fait. Ouais, mais. Ou alors on se divise et on réunit les infos. Excuse-moi, je suis pas misogyne, mais. Quoi?
Poussez-vous, s'il vous plaît, je vais donner le billet à Nova. Oh le bâtard. Pepe, pourquoi vous êtes en... Eh, redescendez, s'il vous plaît, tout le monde, dans le bus, là. Allez, montez, montez, tout le monde. Let's go. Allez, montez dans les bus. Commencez dans les bus. On s'en fout. Mais tous, y'a personne dans ton bus. Et alors? Ah merde. Vas-y, on va à celui du fond. Salut le bus. Je crois qu'on va faire un bouteille au périco. On part au Japon. Ouais. On part au Japon. Ouais. On part au Japon. Ouais. Il y a plus de place. Ouais. Y'a plus de place. Ouais, Japon. Ouais, ouais, Japon. Il y a un autre bus là. C'est qu'on suit là. Allez, montez dans les bus s'il vous plaît. En plus, on a le prof de Zik. Descendez, descendez, vous descendez. Oh, calme-toi, calme-toi, Johnny. Je vais commencer. Je vais commencer à mettre des mots. Oh, bah, le chapeau, Amine, il reste là. Y'a plus de place, y'a plus de place. Y'a plus de place, Ok, bah, allez, personnes allez, qui allez, sont les personnes qui sont au-dessus là, je vous laisse 30 secondes pour descendre. Il rigole pas, Galèche. Avec TPE maintenant, ça rigole plus. Hein. Ah, ça devient un homme ce bâtard. C'est l'autorité indienne ça. Ouais, ça dépend avec qui, parce que moi j'ai mis un jean et je me suis fait engueuler, mais y'en a, ils sont à moitié à poil, on dit rien. Ah, ouais. Allez, bougez-vous là, bande d'enculés. Allez, roule Marcel, chauffe. Dites, vous savez au moins où aller, hein. Aucune idée, mais non, jure. Mais c'est Jamy. Je te jure, on aurait dit le truc de C'est pas sorcier, vas-y. Oh ouais, man. Tiens, monsieur le bibliothécaire, vous allez bien? Doucement, doucement avec le bus, hein. Tiens, Les gars, on est en économique dans les billets à la fois. Oh là là, ça y est, le bus, ça commence. Il s'est retourné. Ouais, accélère, fais bien. C'est loin le Japon, hein. On paye l'école une blague et on est en économique. Appuie sur le champignon. Le champignon, pas du tout le faire. Pas trop, pas trop. Ah, professeur. Ah oui, d'accord, d'accord. Et va pas nous foutre en l'air, hein, bâtard. Non, laisse-les se retourner devant, là, t'inquiète pas. C'est qui que t'appelles bâtard, petit enculé? Eh, c'est toi que j'appelle bâtard, petite salope, tu vas faire quoi? Quoi? Viens, on descend. On descend du bus, on se... Viens, on descend du bus, on se castagne sur la route. Non, 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 il rigole, monsieur, il rigole. Ah, vas-y, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. On attache la ceinture, on garde bien les mains, les bras, les pieds et les jambes à l'intérieur du bus. Et si on se fait emmerder par des Japonais, on leur met des grandes tartes dans la gueule. Ouais. Voilà. Et vous dites bien cool ou soccer. Bah quoi. Wow. Ça va, j'ai jamais conduit de ma vie, laissez-moi essayer un peu. Quoi? Hein? Non, non, je rigole. Attends, mais attends, mais attends, l'aéroport, c'est pas dans ce sens. Wouah, putain. T'as à droite l'aéroport, hein. Je suis Ganesh, qu'est-ce qu'il fait? Mais Ganesh, il vient de loin, il peut pas savoir. Je dis ça comme s'il était enfermé, ouais. Non, Ganesh, mais... il est arrivé en bateau, il peut pas savoir où est l'aéroport. Allez, tout le monde descend encore. Oh, le racisme. Bienvenue au Japon ici. Quoi? Ah putain, au président de l'école, je suis déçu. Eh, on est arrivé là? Bah, on va prendre l'avion, man, je crois. Ah ouais, un avion en plein milieu de la ville, toi. Mais non, mais il y a un train ici, mais pas un avion. On va prendre le métro qui va directement au Japon. Ouais, ou peut-être au Japon directement. Ah oui, c'est le Shinkansen Express. On y va. Mais regarde à la main la porte. Silence, tout le monde, par deux. Par deux. On y va, devant moi. Non, je parle avec Nova. J'ai demandé silence, tout le monde. Et deux par deux. Viens. Ah, il y a la petite Nova là, la petite. Vas-y, viens, Brandon, viens, Brandon. C'est bon, écoutez-moi maintenant, à partir de maintenant, vous allez faire silence. Et vous descendez calmement. Je suis avec Sefiu. Groupé, merci. Les gars, Nova, elle est habillée dinguerie. Oh là là là. Arrête ton manin. Mais attends, c'est pas. Oh Nova. Léo, Amine, il baisse bien ou pas? Notre coupe, je voulais faire un melon pas au Japon. Bah quoi? Bah, je sais pas, c'est Nova qui l'a dit. En forme de melon, non, non, ils ont pas baisé ensemble, ils ont pas couché ensemble, ça va, oui. Eh, c'est vrai qu'il a un micro-pénis? Quoi, là? Ouais, un j'ai petit dit, muscle, genre. Ah, non, mais ça doit être chaud. Tellement petit que ça m'a fait un appel d'air, carrément. En fait, les you, je me rends compte. Eh, tellement petit, c'est toi qui l'a pénétré, sa mère. Baby girl, tu me choques, baby girl, tu me choques. Ah ouais, ouais, tu choques mon cœur là. Oh, elle l'a pénétré avec son clito. Eh, toi aussi, tu me choques, tu me choques. Arrête-toi, arrête-toi. Toi, ton clito, il a des pecs, vas-y. Eh, eh, que tout commence. Eh, je suis sûr que son clito, il a une veine, genre la veine du bibi.
C'est vrai, Dayou. Est-ce que tu me pardonnes de tout le mal que je t'ai fait? Arrêtez! C'est horrible tout ça! Ok, vous allez rentrer calmement. Calmement, vous rentrez dans le train. Allez-y. Allez, on y va. Allez, allez, allez. Calmement, j'ai dit. Eh, Brandon. Quoi? Tu devrais t'asseoir, Aziz. Tu me plais bien, toi, Brandon. T'as vu, je suis mignon un peu dans un sens. Oui, là, assis-toi. T'es mignon, mais tu sais, moi, ce que j'aime, c'est pas le physique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ça me plaît bien. Ah ouais? Ouais. Je pourrais pas en dire autant parce que je te connais pas de l'intérieur. Ouais. Ok, ok. Venez-vous, Amine, j'ai pas envie de Amine, tu devrais t'asseoir. Ouais, je vais m'asseoir. Tu vas vomir, j'ai l'impression que je vais à Stalingrad. Mais ils ont fait le contrat entre les USA et le Japon. Bah oui, mais c'est non, mais je crois on va à l'aéroport là, non? C'est 9000 km en train quand même, on va y arriver dans un mois. Oui, mais on utilise le Shinkansen Express. Ah. Chicken Spot Collier, les Amériques. À Tokyo, en seulement 3 minutes. Construit en 2018, ce train est à la pointe de la technologie. Mais ça, c'est un menu KFC, bâtard. Les coca? On est arrivé? Ah ouais, c'est le prochain arrêt. Prochain arrêt, next station. Eh, le Japon, ça sent la douille là. On va aller au quartier japonais de Los Santos. Mais ça s'appelle Chinatown, mais c'est pas japonais, wesh. Ah bah ouais, compare pas, et confond pas jamais toi. Respecte la Chine et respecte le Japon, voilà. Eh, c'est pareil, c'est pareil. Quoi? Non, c'est pas. Non, vas-y, toi, on va très bien. Je vais me plaindre au professeur, je suis japonais et là, tu as fait preuve de racisme. Ah putain, il est japonais lui? Ma mère est japonaise. Bah, c'est bien, au moins, tu vas pouvoir aller la voir en vrai. Oh putain. Elle habite pas au Japon. Ah bon? Moi, j'ai jamais voyagé de ma vie, je suis resté à la ferme tout le temps. Ah, ça se voit, hein. Ça allez s'asseoir les mandaires, tu viens de moi? Ouais, moi je viens d'ici, moi. Moi je mets qui a dit que j'étais pakistanais? Bah le prof de soir tout à l'heure. Mais t'es raciste ou quoi toi? Mais c'est lui qui a dit ça, c'est pas bah, moi. Bah lui il est raciste, il a grandi à la ferme. C'est bah ouais, c'est ouais, moi c'est normal. Brandon, t'es un homme intelligent, toi. Je l'ai vu dès le premier jour. Bah ça sent. Tu vois que tu regardes Jordan, c'est pas forcément... Brandon, t'avais pas une autre cible à te faire, là? Eh, les gars, vous savez... Eh, je t'ai pas attaqué... Oh là là, avec ta tête boursouflée, là. Qui aime bien taquiner bien. Ouais, c'est vrai, je t'aime bien, Boustiflo, en vrai. Oh, dans le Japon, là? Tout le monde descend calmement. On est au Japon, c'est mon pays. C'est chez moi. Bienvenue chez vous, Brandon. Maman, je t'avais dit que je viendrais un jour au Japon. Tout le monde deux par deux. Let's go. Allez, deux par deux, on monte calmement, s'il vous plaît. Allez, deux par deux. Écoutez, à partir de maintenant, vous vous regroupez calmement, s'il vous plaît. Pas de dispersion, d'accord? Là, on va prendre l'aéroport, man. Ah, va commencer à rentrer à l'aéroport. J'en prends une boisson, celui qui m'a su. À l'aéroport, putain. C'est la merde que tu te mets à côté de Leyona. Hein? C'est ma meuf. Quoi? Me dis pas t'essaies de la gérer. Moi ça va. Non, t'es des trous de meuf, quoi. Non, je te dis bah ouais, juste ça comme ça. Bah Kaina, elle est morte. Allez, on va prendre les escaliers, les enfants. Elle meuf. Elle me regarde depuis le ciel et elle m'a dit Marie là. Ouais, je te Marie qui? Non, je pense qu'elle te dit détruit là. Détruit là? Bah ok. Layou! Quoi? Je dois te détruire, Layou. Quand même. Pourquoi? C'est Kaina qui m'a dit depuis le ciel qui représente. On doit s'enregistrer, je prends plus à la douane. J'ai une petite annonce à vous faire. Ouais, s'il vous plaît, on rentre tout le monde. Ouais, je pense qu'ils vont nous couiller, on va pas partir. Merde, il a tout compris. Si c'est ça, on les tabasse. Hein. Ils vont nous couiller, on va pas partir, je le sens. Alors, écoutez, à partir de maintenant, donc vous allez faire l'enregistrement de vos bagages ainsi que de votre billet d'avion sur la droite qui se trouve là-bas, d'accord? Calmement. Après l'enregistrement. Je vais vous donner un petit temps libre. Vous aurez l'occasion d'acheter des habits, des cadeaux, vous changer de coiffure et aussi de vêtements, entendu? Ah ouais. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que vous soyez calme à l'enregistrement. Allez, venez. Ouais, okay. Bah, il faut le $2000. Kirby, change de coupe, cousine. Non, elle est très bien, ma coupe. Hein. Et je précise, personne ne sort de l'aéroport. Interdiction de sortir de l'aéroport. Eh, par contre, les gars, soyez cool, soyez sérieux là. Faites pas honte au bahut. C'est qui, monsieur? Bien, bah non, voyage en gros. Ça s'appelle comment le bahut? C'est votre image avant tout, les gars, le bahut. Hein. Donc soyez cool. Ah, très bien. Ah, mais t'es. Ah, ouais, parce que tu vas au Japon, ça va être ça. Ouais, mais là, c'est. On va voir le soleil levant là. Mais tu penses que le soleil se lève là-bas? Ouais, comme le monde, comme le gâteau. Le du soleil levant, il se fait tous les jours là-bas. Police. Vous contrôle de la douane. Les enfants, coopérez avec la douane qui vont contrôler vos bagages. Coopérez, s'il vous plaît. Ça va alors. Voilà. Je suis. Putain.
C'est bon. Vous appelez sur moi, monsieur. Allez voir. Vous appelez sur moi. Moi, j'ai rien sur moi. Je m'appelle Hamid. Vous pouvez me poser. Hamid, venez avec moi, vous. Non, Aziz. Elle est lourde. Je vais assumer. Tout le monde. Junior, racontez, il y a un problème, monsieur. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Patientez. Ok. Pourquoi il y a toujours un problème sur moi? Monsieur, je vais vous demander de patienter sur le côté, s'il vous plaît. Il faut que la police vienne vous voir. La douane, oui, monsieur. Il y a un problème avec votre billet. Vous êtes enregistré sur le fichier, comme quand vous ne pouvez pas voyager, monsieur. Je suis désolé. Oh non, Bobby! C'est bon, vous pouvez y aller, madame. Silence, silence. Non, ça va pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre billet, s'il vous plaît. Vas-y. Recule un petit peu, ma petite Nova. Comment? Non, je parlais à Nova. Alors, votre billet et vous mettez votre valise sur le côté, s'il vous plaît, monsieur. Attends, tiens. Voilà, tu l'as? Oui, c'est bon, monsieur. Voilà. Votre bagage sur le côté, s'il vous plaît. Carré. Voilà. Il fait quoi, lui? Je sais pas. Tu t'en fais la queue, s'il vous plaît, monsieur. Fais la queue, bordel, comme t'as l'habitude de faire. Non, mais la queue, je vais pas la gober. Je vais pas la faire, la queue. Va faire la queue, je te dis. Mais non, mais c'est trop long. Va faire la queue. Hé, le céréal soccer, fais la queue, là. Tu veux t'habiller comment? Je fais quoi, John? Non mais c'est pas le truc. Oh merde. Eh pourquoi ils ont Aziz? Ils lui font un contrôle. Ils lui font un contrôle pourquoi? Routine. Un contrôle de routine. Sur Aziz et Hamid. D'accord, c'est bizarre. Hein. Non, il faut un contrôle. Okay. Ah, Jordan, toi aussi t'as des problèmes. Non, mais toi par contre, apparemment t'es dans la merde, il se passe quoi là? Ah, bah je dois attendre. T'as tué quelqu'un, Bobby, ou quoi? Mais non, mais c'est pour un frère, c'est pour rien. Comment ça? Si t'as tué quelqu'un, c'est pas pour rien. Mais j'ai jamais tué personne, c'est juste que. Il y a des gens, ils ont donné mon nom à la police pour rien, et du coup j'ai un casier judiciaire maintenant. Et il y a écrit quoi dans le casier judiciaire? Je sais même pas, il y a écrit quoi, frère? Non, mais attends. Il y a écrit déteste Jordan. Eh, hey, Bobby. Tu viens? Entre toi et moi. Ouais. Tu veux vraiment qu'on se castagne? Et comme mais ça, on va pas castagne. Au Japon? Bah alors on pourquoi? Déjà pourquoi t'essayes? Arrête tes mais blagues moi, avec moi. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi on pouvait pas vous apprécier? Mais je sais pas, c'est lui là. Mais c'est Jordan. Tout le temps, il me regarde de travers. Mais je te regarde pas de travers. Il y a mon bouche à la crème et il y a mon meilleur pote là. Il me fait serrer les dents. Mais je sais pas, il m'agresse. Attends, on parlait tranquille. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Wesh, il se passe quoi? Vous le savez? Wesh! Arrêtez, monsieur, ça va pas en quoi tête? C'est quoi la dinguerie? Bah, monsieur, vous faites rien là? Ça va au-delà de mes compétences, moi je suis prof de sport. Ok. On se casse, vous avez rien vu. Bobby, casse-toi! Bobby, viens! Pas possible! Démettez-moi. Bobby, putain! Excuse-moi, Ichigo, j'ai pas fait exprès. Ah, monsieur, je vais vous aider, Ah, mais non, Bobby! Reviens! Bougez-vous de là! Ah! Là, Bobby! Allez voir! Tu fous quoi? Ah! Mais quel suceur! Il est trop con, lui, hein! Wesh, elles sont où les portes? Il est trop con, le Bobby, il est en train de. Oh putain! Ouais, ça va ou quoi, bâtard? Monsieur le bâtard? Monsieur le professeur? Attends, vas-y, on peut pas le fouiller pendant qu'il dort? Il fait une micro-sieste, je crois. Non, je te conseille de pas le toucher, merde. Bah pourquoi tu le connais, c'est ton daron, quoi? Les yeux en face des trous, comme on dit. Ouais, je vois ça, ouais. Ça va, hé, Johnny, ton manteau, il est stylé de fou. Qui c'est à moi? Ouais, bah y'a plein de Johnny ici. Y'a qu'un seul Johnny, hein. Bah ouais. C'est comme ça, si on se fait emmerder par les Yakuza, on peut leur péter la gueule. Putain, mais toi t'as envie de péter de la gueule, toi, ça se voit de fou. J'ai envie de péter les gueules, putain, j'en ai tu sais que les Yakuza, je pense, entre nous, hein, faut pas le prendre mal, mais ils te baisent. Je les encule. Tu vas rien faire. Ah, monsieur MacArthur, surveille un peu les élèves. Au dernier voyage, il y a des élèves qui avaient piqué des trucs dans les valises à l'aéroport. Alors, hors de question que ça se reproduise. On n'avait pas pu partir la dernière fois. Merde. Ouais, faites un peu attention. Ouais. Dites non. Ouais. Je leur fais confiance. Je leur fais pas du tout confiance. Vous me dites la vérité. Vous voulez qu'on vous foute la paix, c'est ça? Non, mais surveillez d'un œil, quoi. C'est ce que je fais exactement. Oh. Regarde dans les sacs. Ouais, bien. T'as trouvé. Attends, Brandon. Elle est où, Baby Girl? Attends, t'as trouvé quoi là? Du linge sale, c'est tout. Y avait la même. Mais attends, y'a peut-être un bail à faire avec.
Ouais, ouais, ouais. Man, elle est où, baby girl? Je sais pas pourquoi, dis-moi. Mais elle est là, elle baby est là. Girl. Baby oh, girl, la c'est toi. Ouais. Écoute, baby girl, tu sais le truc là que je t'ai donné. Eh, là, moi je te le dis, dommage que t'es avec Bobby. Hein. S'il te plaît, est-ce que t'es toujours avec. Est-ce que tu l'as ou pas sur toi? Est-ce que tu l'as pris? Non, pourquoi? Putain! Il y a une porte là-bas. À ouvrir. Par contre, Jordan, t'es devant le miroir, tu casses les couilles. Ouais. Il y a comme une porte à ouvrir, tu vois. Ah ouais? Ouais. Et sauf qu'on peut pas parce qu'on a pas le truc. Et je devais plus emmener la pépite. Eh, la Pecou, elle est carrée là ou quoi? Putain, fais chier. Moi j'ai rien à emmener aussi. Elle est cool fais la Pecou là. Chier. Moi bon, je change j'aimerais... pas. Est-ce que je non, de par contre, ce que je veux faire moi. Eh, les gars, achetez des masques ici. Important, achetez des putains de masques. Eh, venez, on prend tous un masque de singe ou de truc, tu vois. Genre ouais, des animaux. Non, mais on prend tous des animaux différents, vous voyez ou pas? Vas-y. Genre moi je prends le renard, tu vois, toi le hibou. Oh c'est trop laid ça, mais regarde. Une hyène, c'est quoi ça en fait? T'as pris une hyène? Je sais pas c'est quoi man. Vas-y. Carré, carré, carré. Non, oh. Tout le monde me pose, j'en ai marre. Excuse-moi, excuse-moi, mais vas-y, crache pas sur les fringues par contre. Bah t'as qu'à pas te coller. Ouais t'as pas toi. Oh merde. Oh le magazine de Hukota man. Vas-y, bon, attends, Brandon, comment ça filou. Et tu vas te les prendre dans, tu vas te les prendre dans le coin là. Non, mais non, je regarde les tenues, c'est tout. Ah yeah, ouais, ah ouais, yeah. Ah ouais, ouais tu cherches des tenues comme ça, toi. Je regarde juste les tenues, je regarde juste les tenues. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh ouais, ça se la prend bien. Non, arrête, arrête. Ah oh ouais, ça se la prend la main. Je suis asexué, oh ouais. Le sexe ne m'intéresse ah ouais. Pas. T'es asexué, man. Vas-y, je suis pieds nus comme Yannick Noah, sa mère. Wow. Big shame. On se gros bâtard. Ah ouais, mais hey, Nova, t'es Géchard de fou en vrai. Eh, hey, vas-y, toi. Moi. Ah ouais, Nova, t'es Géchard de fou. Putain. Non, mais non, je m'en ai buzzé. Wouah, mais tu m'as des boules à Rogan, moi. Il est bientôt là. Non, rien à voir, les gars, c'est sur le Japon, les gars. Mais c'est du porno, ça. Non, je regarde des trucs sur les Géchards. Elle est bonne, elle s'appelle comment, elle Kimiko? Je sais pas, il m'a tout mis apparemment, elle s'appelle. Matumi. Ouais, il m'a tout mis. Il m'a tout mis. Ouais, ouais. Ah ouais, elle est chargée de, elle est chargée de fou. Ouais, c'est sympa. Ouais, moi j'apprends, tu sais, la culture japonaise. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Mais tu voulais pas tabasser du yakuza à la base? Non, rien à voir. Moi je suis parti là-bas pour les hentai. Ok, ok. Ah, vas-y, carré. On t'a dit c'était quoi des hentai? Non, on m'a dit c'était des films spécialités japonaises. Vas-y, vas-y, t'aimes les tentacules ou quoi? Le meilleur hentai, les gars, si je peux vous donner un conseil. Vas-y. C'est Pico no Buko, un truc comme ça, je sais plus c'est quoi. Bah déjà, si alors, tu connais pas le nom, on est dans la merde. Bah je crois que c'est ça. Attends, c'est pas... monsieur, parce que vous connaissez c'est bien. C'est pas Imatumi. Non, ouais, c'est là il est en train de regarder la biographie d'Imatumi, là. C'est beaucoup no Pico, beaucoup no Pico. Ah, hey, ah je connais pas, désolé. Ah, c'est une dingue, bah, je vous conseille de regarder, hein. Franchement, vous allez kiffer. Il y a les sous-titres ou il a été traduit? Ouais. Surtout si vous regardez ça avec des petits-enfants, ils vont kiffer. Oh, c'est bizarre, hein. Il est malade, lui. Il est bizarre, lui. Non, mais je vais le niquer, lui. Eh, hey, t'en penses quoi de ma tenue? T'es claqué. What a stylé. T'es claqué? Ouais, t'es claqué de fou. Pas le bâtard. Non, on dirait tu vas au sport en CM2, bâtard. Fais un autre truc. Non, là, c'est chaud. Attends, je change. Eh, on dirait que t'es un streamer Twitch, enfoiré, vas-y bouge, change, c'est quoi ça? Attends, change. On dirait que tu te laves pas, vas-y, c'est chaud. Non, on aura jamais le temps de se changer. Ta mère. Ah ouais, mais en même temps, on aurait dit Al Capone, là. Arrête de faire la girly, là. Le miroir, pitié, arrête de te mettre dans le miroir. Eh, vas-y, eh, le miroir des... Oh, partout où je vais, tu te mets dans le miroir, c'est... Ah, excuse-moi, je suis attiré par toi, je suis ton simple reflet. Non mais arrête de faire la gueule là, tu mets 2 heures pour choisir un truc aussi, t'as même pas le haut. En même temps j'ai toujours la même robe et le t-shirt, elle est... Mais vas-y, mais même pas t'as épilé cousine, c'est un truc de fou. Bah ouais, alors moi j'aime le naturel, c'est quoi ton problème? Bah vas-y, bah je m'en fous si ça plaît à Bobby. Moi j'ai besoin d'un aventurier qui vient couper mes lianes, tu vois. Ah bah ouais, ouais, bah c'est sûr que Bobby il est vachement aventurier, hein. Bah ouais, Bobby c'est un aventurier. Ouais, super aventurier, ouais, de ouf en plus. Il doit bien couper les lianes avec ses chicots, ce bâtard, hein. Et on va pas en bikini, on va pas à la plage, on va au Japon. Mais non, je mettais un taille haute. Oh. Wow, putain, tu vas m'en tirer les problèmes, toi. T'es en train de t'aimer ou je rêve, man? Mais je t'aimais pas. Vous êtes tous en train de vous changer à l'extérieur. Ouais. Vas-y, je me casse. Ouais, ouais, vas-y. On va pas t'aimer, t'as plus de pec que mon propre daron. Eh,
Je t'emmure. Bah oui, bah oui, j'ai bien compris, t'inquiète. Eh, tes pecs, ils ont des pecs, bâtard. Mais pecs quoi, ils ont quoi? Ils ont des pecs, tes pecs, ils ont des pecs. T'as bien maté la dernière fois, hein. Ah non, crois-moi, crois-moi que j'ai rien maté. Il y a une histoire d'amour qui est en train t'as de se bien faire. Vas-y, je m'en vais, je me barre. Oh, t'es un peu stylé comme ça. Merci, merci mon ref, ça fait avec, plaisir. Avec les lunettes, on dirait Clark Kent un peu. Ouais, moi je suis Clark Kent. Ah, genre tu kennes tout le monde. Moi je kennes tout le monde, j'enlève les lunettes, boum. Je kennes tout le monde. Ok, bah écoute, pas trop dans l'aéroport, sinon tu risques pas de décoller. Toi, on dirait le mec, tu sais, qui fait la pub là, We Want You. Monsieur là. Sam. Ouais, je sais ouais, pas. Ouais, c'est pour... C'est parce que je vais coloniser le Japon. Donc j'ai mis la tenue de colonisateur. Comment tu vas t'y prendre, mon ref? Je sais pas, je vais improviser là-bas. Tu veux m'aider? Ah non, c'est chaud, je préfère te laisser. Ah ok, bon bah je vais réfléchir. Ah ouais, c'est tendu de fou, vas-y hein. Vas-y, Jordan. On va partir prendre l'avion. Parce que l'avion, on le prend avec Bachir. Mais attends, mais c'est... On n'a pas peur de le prendre avec Bachir. Avec on va mourir. On va pas mourir. On va mourir. On va pas mourir. Voilà, ça fait... c'est bon. C'était très joli, sauf la fin quand tu disais qu'on allait mourir. Ben, il y a Bachir dans l'avion, hein, faut pas oublier. Eh mais vous êtes au courant que non. Si l'avion il atterrit pas, on est tous foutus. Bah oui, c'est souvent ce qui arrive quand un avion atterrit pas à la fin. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vous avez encore le temps de reculer. Hein, Brandon, t'es sur ton 31 là. Oui, je vais dans le pays de ma mère. Carré, elle m'a toujours appris à bien m'habiller. Carré, carré de fou. Et ouais, j'aimerais bien que vous preniez exemple sur lui un petit peu. La lunette, elle est carrée. La coupe, elle est carrée. Mais je l'aime bien, Brandon. Il est carré, c'est carré. Attends, et professeur, pourquoi vous voulez me faire là? Non, mais grandissez un petit peu. Prenez exemple sur Brandon. Avec ton polo, la poste, bâtard. Ben non, respecte un peu, tu vois ou pas? Ouais, moi, Brandon, c'est mon pote, tranquille, hein. Hey John, est-ce qu'on va vraiment partir, mettre dans un colissimo, vous allez voir. Tu fais quoi, là? Attends, mais t'as mis la même tenue que... Merci, Jimouni. Toi, t'as pris la même chapeau que moi. Non, moi, il a l'envers, il est plus violet que le cœur. Il a l'envers, c'est vrai, il est pas là. Bon, les enfants, vous êtes prêts? Vous êtes contents de partir au Japon? Ah ouais, carré, carré de fou. Est-ce que vous avez déjà perdu un avion? Yo, ça va ou quoi? Vous êtes la professeure? Ah non, il a envie, sinon, moi, je vous avais pas reconnu. Vous êtes tellement belle. Oh merci, c'est très gentil. Okay. Tout le monde en rang, correctement. Ah bah dis donc, vous êtes kawa. Merci, merci beaucoup. En rang, s'il vous plaît, 2x2. 2x2, 2x2. Les enfants, s'il vous plaît, en rang, 2x2. Oui, oui, oui. Eh, professeur, ça va pas. 2x2 devant moi. C'est tombé, je fais ça. Ouais, ça continue. L'avion. Moi je pourrais protéger au cas où. C'est très joli en tout cas. Vous prenez l'avion. Léo, tu te mets à côté de moi dans l'avion. Écoutez, le même que le vôtre. Après Bobby, il va y avoir une seule. 2x2 s'il vous plaît, ne va. Bobby, il a de mauvaises intentions vers toi. Ah ouais, moi je suis pas habillé avec les habits de sport. Écoutez, personne ne montrera. J'adore pas venir, mais je monte pas avec lui. Silence, personne ne montrera tout. 2x2 correctement s'il vous plaît, allez-y. Écoutez, je vais vous annoncer à partir de maintenant vos groupes respectifs, d'accord? Il y aura deux groupes différents. Chaque groupe aura une activité différente. Est-ce que c'est entendu? Oui, monsieur. Je vais vous répéter qu'une seule fois, vous avez intérêt à écouter correctement, attentivement, vos groupes personnels, d'accord? Groupe numéro 1, Kefta Mouloud, Cletus O'Neill, Kevin Duchamp, Suzy Smith, Bobby L'Univers, Yellow Bishop, Kirby Dixit, Jordan Birkins, Brandon Kurosaki, non, John Surdoug, et pour terminer, McBurger Nova. Monsieur, si elle était pas dans le échanger de place ou pas? Oh là là, ils ont pire croire les enfants vouloir échanger. Gardez ils sont pas les carrés. Je te mets dans le groupe 1. Tu me laisses ta place. Mais va te faire foutre, tu crois que je vais te laisser ma place? Je suis avec mon gars, avec Nicole. Dégage de là. Wesh, wesh. Kirby, on va avoir envie d'être avec moi aussi. Wesh, tu parles mal. Je vais te monter en l'air. Ok, ouais, vous allez monter dans les avions, allez-y, on y va. Calmement, calmement. Tu veux échanger avec un canton? Le groupe 1, c'est à gauche ou à droite? Non, pas vos groupes là. Non, 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 il n'y a pas d'échange de groupe. Il n'y a pas d'échange de groupe. Non, non, non. Tu veux aller à la fille juste avant? Non, non. Me,
It's on the regular. I talk that money talk. It's on my cellular. Pull up in that all black SUV like Santa does. My chains be shining. I can't hide them. I can't get them. I'm not just